C'est-à-dire, c'est un plaisir que je te voie vraiment physiquement. Je t'assure. Tu sais, Facebook, c'est quelque chose, des fois, ça te met dans des situations. Hein. Il y a des hommes qui font des faux profils. Ils vont télécharger les photos des Américaines, ils mettent sur les profils. Parfois, tu dragues, tu arrives chez un homme qui sort. J'ai eu peur quand je t'ai connu. Non, mais vraiment, je crois que ta photo ne va pas mentir, tu es belle. Merci. Non, tu es belle. C'est-à-dire, tu es belle. C'est-à-dire, si tout se passe bien, si Dieu met la main, tu vas voir, non? Toi et moi, on va faire le tour du monde. Ah bon? Ah oui, je veux te faire vérifier. Tu vas voir le bout du monde, tu vas aller aux États-Unis avec moi. Ah. Tu vas aller partout, à Tokyo, tu connais Hong Kong? Non, j'entends, je ne sais pas. Hong Kong, j'ai acheté une petite parcelle de terrain là-bas. C'est Jackie Chan qui était le bailleur. Oui, ça c'est bien. Sinon, parlez-moi un peu de toi. Bon, je suis troisième enfant d'une famille. Ouais. Et ma mère, disons qu'elle se bat. Mon père aussi financièrement, il se bat, donc on ne souffre de rien. Côté finance, on me rassure, quoi. Ah, ton papa? Oui. C'est un homme d'affaires? Ou bien il est dans le gouvernement? Parce que je n'ai pas le temps pour venir en prison. Non, faut pas t'inquiéter. Ah oui, ça va. Ah, les bouchons, ouais, les motos aussi. C'est-à-dire qu'ils sont comme les fourmis, les benzigneurs. Ils sont comme les fourmis. Ah, vraiment, ça, c'est... ils vont me gratter toute la peinture, quoi. Oubi, dis-moi un peu. Ton nom sur Facebook, là, c'est ton vrai nom qui est Taka Dente. Ah non, mon nom, c'est Vitry. Ah, voilà, Vitry. Parce que Vitry a mis Loni Campbell, ça. J'ai cru que... Moi-même, le nom que j'ai sur Facebook, c'est pas mon nom. Ah ouais. DiCaprio, c'est pas mon nom. Ah bon, oui. Ah non, c'est bon. Fingontra, là. Ah. Oui, Fingontra. Ah, yeah. Qui met son vrai nom sur Facebook? Hé, hey, chacun, tu parles de quoi? Chacun, Facebook, ça sort comme ça sort. Hein? Ça, c'est quoi ça, même? Ah, tcha. Merde, ça, c'est quoi ça? Mon portefeuille, il y a un portefeuille, hein, ouais. L'espèce, j'ai toujours bien dit que l'espèce, la mentalité européenne que j'ai là, toujours marché. Je ne veux pas vouloir avoir l'espèce là, c'est pas une bonne chose. Aïe. Maintenant que le carburant, maintenant, donne-moi 10 000 là, je mets le carburant. Le temps qu'on va finir au restaurant, comme tu as mis au restaurant là, je trouve le mieux, Attends. Tu dis quoi? Donne-moi 10 000, je vais mettre le carburant et on continue. C'est que non, j'ai un problème à carte bleue. Tu vas arriver là, j'ai pas l'espèce sur moi. Hein. Je vais toucher au mur devant là. Il n'y a pas de souci. Je te donne 10 000 pour que tu mettes le carburant. Non, mais c'est très simple. Si tu veux toucher, garde la voiture quelque part, on prend la moto, on continue. On prend une moto comment? Donne-moi 10 000 là, je vais toucher au mur devant. Je sors tes 10 000 et te donne. Non, mais attends, on t'a dit que donne mon argent aux hommes. Tu ne donnes pas ton argent aux hommes? Je ne donne pas. Ça veut... Tu es gigolo. Gigolo, c'est quoi? Parce que je demande 10 000 pour mettre mon carburant. Je n'ai pas juste l'espèce ici. Hein? J'ai la mentalité européenne. Tout se passe avec la carte. Regarde, quand tu vois une station comme ça, hein? On ne peut pas payer le carburant ici avec la carte. Donne-moi 10 000 là, je vais te donner. Tu veux que je te donne 10 000 pour que tu mettes le carburant avant qu'on aille où on est dedans? Hein? Mais tu n'es pas dans la voiture. Tu es venu me prendre pour qu'on aille manger au restaurant, s'il te plaît. Si ça t'a lâché, ok. Là, tu prends la moto et puis on continue, non? Ah! Mais pourquoi toi tu es comme ça même? Vous les femmes au Cameroun, vous êtes même comment? Pourquoi vous êtes mal intentionné comme ça? Donc tu ne donnes pas ton argent aux hommes? Je ne donne pas. Tu prends, tu manges seulement l'argent des hommes. Parce que ton argent a les yeux. Je demande, tu es obligé d'avoir la voiture? On n'est pas obligé d'aller en voiture. Si ça t'a lâché, c'est très simple. Tu prends, on prend la moto, on continue, non? Donc c'est bien beau de manger l'argent de l'autre. Quel argent? Hein? Tu es incapable de me... Donc tu sors de chez toi comme je t'ai même mangé là. Pour toi, c'est mon argent qui est sucré. Pour 10 000 francs, alors que je vais te remettre, tu me fais un chantage. Si tu es incapable de carburer ta voiture, ça ne vaut pas la peine d'avoir la voiture. Tu ne peux pas prêter ton argent à quelqu'un. Tu sais quoi, ne me paye pas le temps. Si on ne peut pas partir où on devait aller, tu me dis, je sors, je rentre. Mais je t'amène au restaurant, non? Qu'est-ce qui ne va donc pas? Prenons la moto, on continue à pied. Et je garde la voiture comment? Je vois que je suis en train de perdre mon temps et moi, je m'en vais. D'ailleurs, écoute-moi bien. Ne viens plus jamais me chercher chez nous. Tu m'entends? Je vais même te bloquer sur Facebook.
Rends-moi celui-là, un foiré comme ça. Quel foiré? À l'âge, si tu habites chez vous, tu n'as pas honte? Bandiane, tu sois avec un homme, tu n'as pas 5 francs en poche. Vraiment les histoires comme ça. On vous voit sur Facebook, on croit que vous êtes quelque chose. Malade. Mongol. Quoique nous, je suis bête. Je t'ai même mangé parce que c'est mon anniversaire. Tu me connais mal, toi. Merde. Moi-même, je te bloque sur Facebook. Moi-même, je vais te bloquer. Salade. Salade. Bouffon. Tu n'as pas honte? Une fille qui sort chez elle, 105 francs. Donc, je suis le service social. Malade. Quoique je suis bête. Merde. La vie, c'est le calcul, ma plan. Nya, 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 yo. Quoique nous sommes encore bêtes comme avant.